Et nous avons dû participer à la bénédiction de ce programme. Donc, Allah vous agrée, mon sultan, qu'Allah vous donne une longue vie, Inch'Allah. Et certes, qui est dans la foi fort, nos frères, donc certains des personnes voient le peuple turc comme antéchrist. De toute manière, dans Çanakkale, donc dans la guerre de 1915 du Bosphore, la mentalité était celle-ci. Aujourd'hui, dans l'environnement où nous trouvons, et l'Union européenne et son but est encore la même mentalité, et donc urgemment contre cela, donc former l'Union islamique et que tous les musulmans fassent des efforts en ce sort, cela montre donc l'obligation, le sérieux, et ceci, donc, c'est vous qui l'avez fait de manière plus jolie, et donc je vous félicite, de tout cœur, qu'Allah le Très augmente votre force, qu'Allah rende constant votre service, et que nous tous nous accorde de faire la prière derrière le martyr. Mashallah, mashallah, qu'Allah vous agrée, mon cher, notre cher sultan. Nous sommes sous vos ordres, Inch'Allah. Nous sommes votre portier. Et qu'Allah vous garde auprès de nous. Qu'Allah augmente votre lumière. Mashallah, louange à Allah. Inch'Allah, nous voulons voir. Je veux faire la grande service derrière vous et vous en tant que commandant, mashallah, louange Allah, nous pouvons être les fonctionnaires de vos chaussures, inshallah, si Allah nous accorde cet honneur, ceci, donc ce sera un très grand bienfait, et de vos mains, je les embrasse avec amour et révérence, qu'Allah vous agrée, mon cher, et qu'Allah vous agrée également. Qu'Allah augmente votre force et qu'Allah rende constant votre force et que toute la force de nos frères s'élève. Et donc tous ensemble, nous que nous attendions cette ère de fête. Mashallah, mashallah, qu'Allah vous garde auprès de nous. Mon cher sultan, je vous transmets mes révérences, je vous salue. Et à notre cher également, par votre lien, votre cause, donc je lui embrasse les mains et les pieds de notre cher Nazem. Qu'Allah vous agrée. Nous vous remercions beaucoup et donc nous vous souhaitons à tous une bonne nuit et sur le point de se revoir à nouveau, Inch'Allah. Comme c'est une personne bénie, le Cheikh Ahmed Yassine, c'est-à-dire les yeux fermés en tant que leader religieux, donc qu'on pourrait accepter en tant que leader religieux, et c'est une personne qu'on accepterait, donc les yeux fermés en tant que leader religieux qu'on aime, une personne qui cherche un leader religieux. Et lorsqu'il rencontre le Cheikh Ahmed Yassine, le fait qu'il hésite, ce sera de l'inattention. Car la source est très bénie. Vous savez, en plus, il est saïd, donc de la descendance du prophète. Il est à la fois saïd et sharif. Et le Cheikh Nazim est également à la fois saïd et sharif. C'est un jardin de roses. Mashallah, ce sont des douceurs du monde, nos chers. Mashallah, louange Allah, qu'Allah leur donne une longue vie.